views I never knew. The one I love. Qui s'appelle Passo Seca de Morto. Donc on a 9000 à faire. Non, on devrait être vers midi et demi. Voilà. Donc à tout à l'heure. Hein. Coucou papa!
Bon, ben, nous allons passer la nuit dans cette magnifique cala dite de l'homme mort, dans l'archipel, dans les trois îles les plus au nord de l'archipel de la Magdalena en Sardaigne. Un site vraiment, 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 vraiment extraordinaire. Un paradis pour la plaisance, pour les voiliers, pour les marins. Vraiment, c'est. Il n'y a pas de mots là. Alors. Signe particulier, nous sommes, je vais vous faire un tour d'horizon. Il y a toute une série de bateaux au mouillage là-bas, mais autour de nous, immédiatement autour de nous, il n'y a personne. Là, je fais un tour. Voilà, on est tout seul. Là, on est tout seul. Et tout au loin là-bas, il y a encore des bateaux qui mouillent. Et nous, on est tout seul. Alors, pourquoi on est tout seul ? Eh bien, nous sommes tout seuls parce que nous mouillons par 1,60 m de fond. Et nous pouvons mouiller par 1,60 m parce que nous sommes des riveurs et que nous avons 1,10 m de tirant d'eau. Alors en Méditerranée, les dériveurs, ça court pas les rues parce que pas très utile. Mais comme nous, notre bateau est breton, nous sommes des riveurs. Et là, on utilise les avantages du dériveur, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'aller là où il y a peu d'eau. Et quand il y a peu d'eau, il y a peu de monde. Ça, c'est un avantage. Bon, le dériveur, il a aussi ses inconvénients. Hein. On en parlera peut-être plus tard. Voilà, vraiment. On va avoir une soirée de rêve là. Soirée de rêve.